Good morning, allez, Yidane et Susra, aujourd'hui, Léon Nishmat, François Fragi, Ben Chana, Janine Ruth, Bat Fortune et Mazal Fitna, et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sérat Kedushin, Perikvet, Mishnah Aleph. Ha'ish Mekadesh Bo Ubishlucho. Ha'isha Mekadeshet Ba Ubishlucha. Ha'ish Mekadeshet Bito Kesheyi Na'ara Bo Ubishlucho. Fin du premier sujet, peut-être qu'on traduit tout de suite, parce qu'on a deux sujets différents dans la Mishnah, et ça ira sûrement plus vite. Pour l'instant, c'est une halakha très simple, que Aïch, un homme, Mekadesh, Bo ou Bishlucho, peut marier une femme, c'est-à-dire fiancer la femme, lui donner Kiddushin, avec ça, il fait l'acquisition de la femme, Bo, de par lui-même, ou bien Bishlucho, ou par l'intermédiaire d'une tierce personne. De même, ça veut dire que il y a une femme qui se trouve en ce moment, avec qui j'ai conclu que j'allais me marier, je l'ai la fiancée, maintenant je veux l'acquérir. Je peux, elle est elle-même, elle est, je sais pas moi, elle est à Beersheva et moi je suis à Jérusalem. Et pour le moment, j'ai envie déjà de conclure l'acquisition, parce que marier une femme chez les Juifs, c'est un acte d'acquisition aussi. C'est pas juste, on a décidé de vivre ensemble, j'acquiers la femme. Donc du coup, si je suis pas moi disponible pour aller, je peux aussi envoyer un chaliar qui va lui donner de l'argent, une bague, un shtar pour la marier. Et donc je peux la marier Bo par lui-même ou Bishlucho, ou bien par un intermédiaire, une tierce personne. Ou encore, de même aussi, Aïcha Mitkadeshet Bo Bishlucha, de même une femme peut se marier, se fiancer, de par elle-même, ou bien même par une tierce personne aussi, un intermédiaire, un émissaire. Ou même ça implique même aussi que l'émissaire peut donner à l'émissaire. C'est-à-dire que moi j'envoie un émissaire à ma femme, un préposé, qui se trouve en ce moment à Beersheva. Et elle, concrètement, elle n'était pas à Beersheba, elle a dû partir à Elat. Elle a aussi envoyé un émissaire. Ben, l'émissaire rencontre l'émissaire, et puis il se donne les kibushin. Et comme ça, on s'acquiert mutuellement. Enfin, je l'acquiers mutuellement, je l'acquiers. Par l'intermédiaire, donc, de ces émissaires. Et encore aussi, Aish Mekadeshet Bito Kesheina Ara, Bo Mishlucho. De même, un homme peut marier sa fille quand elle est jeune fille, Bo Mishlucho, de par lui-même, ou bien même par son chaliar, c'est-à-dire. On parle qu'un père, a un droit de marier sa fille depuis le moment où elle naît jusqu'à qu'elle finisse son âge de petite fille de Ktana, 12 ans, et même plus encore, 6 mois supplémentaires, quand elle va être Nehara, quand elle va être jeune fille, ça va durer encore pendant 6 mois, le père a un droit de marier à qui le veut, c'est lui qui décide, et c'est lui qui prend l'argent aussi, et il peut même aussi la marier par un intermédiaire. Deux diukim super importants sur cette Mishnah. Sur cette Mishnah, d'abord le fait qu'on a dit qu'un homme peut marier sa fille quand elle est Nehara. Pourquoi tu me dis quand elle est Nehara? Sa fille peut Ktana ou Nehara, quand elle est petite ou même quand elle est Nehara. De là, on apprend d'abord que le droit du père de marier sa fille, c'est vrai qu'il a un droit depuis qu'elle est toute petite, mais il ne faut pas le faire. Parce que réellement, la fille, quand elle va grandir, il faut qu'elle ait un brin de choix de son conjoint. Parce que si on la marie quand elle est Ktana, ça va être trop. Malgré elle, elle n'est pas encore en âge de comprendre qu'est-ce qu'elle fait, et c'est sûr qu'il va y avoir des disputes, et ça va pas faire bon feu cette histoire. Donc du coup, il faut la marier quand elle est Nehara spécifiquement, d'accord, qu'elle donne aussi un petit peu son avis. Et à part ça, ça c'est le petit diouk, mais le grand diouk de la Mishnah, c'est que faites attention qu'à chaque fois on nous dit, on se marie, et on peut se marier de par lui-même, et même par un intermédiaire. Dis-moi directement qu'on peut se marier par l'intermédiaire, pourquoi on insiste par lui-même et par l'intermédiaire? Et de là on apprend une règle très très importante pour toute la Torah. Mitzvah bo yoter mi bishlucho. Lorsqu'on a une mitzvah à faire, et qu'on peut la faire soit de soi-même, soit par un intermédiaire, il vaut mieux la faire de par soi-même que de la faire par un intermédiaire, parce qu'on a plus de mérite quand on la fait de par soi-même, qu'on s'implique concrètement soi-même pour faire la mitzvah, plus que le chaliar, ça implique pour tout. Ça implique pour faire la bdikat hametz, je peux envoyer un chaliar pour le faire, mais si j'ai la possibilité de le faire moi-même, mitzvah bo yoter mi bishlucho. Brit mila. Celui qui est capable de saisir le couteau et qui a de prendre, ça existe, il y a des moelles qui acceptent qu'on le fasse. Et il prépare tout et puis on passe le couteau. Il faut encore avoir du cran pour le faire. D'accord? Mais celui qui a le cran de le faire, il a mitzvah de faire lui-même le brit mila à son fils. Et ainsi de suite, c'est pour toutes les mitzvahs de le faire en général de par soi-même. Préparer la porte, tout ça, les préparatifs du Shabbat. Que chaque homme, il fasse un petit quelque chose dans la maison, un beau kavod Shabbat. Plus qu'un petit quelque chose qui donne de l'honneur à Shabbat, du kiff à Shabbat. Comme ça, il s'investit de par lui-même pour préparer le Shabbat, et pas qu'il s'appuie uniquement sur sa femme et ses enfants qui font tout, et lui il arrive à la dernière minute. Non, il faut quand même faire quelque chose, préparer quelque chose de kiffant, d'agréable, je sais pas moi, ça peut même être installer la plaque du Shabbat pour que tous les plats soient chauds,
préparer de l'eau bouillie, nettoyer une belle une la chambre soirée, préparer aussi les nérotes du Shabbat, ça c'est Bichlal, comme ça il participe par là à l'allumage des nérotes, parce que même si la femme concrètement, c'est elle qui allume, mais le mari aussi là, le devant d'allumer, c'est elle qui la quitte, au moins qui participe activement en préparant les nérotes, et ainsi de suite, mitzvah bo yoter me bishlucho, fin du premier sujet de la Mishnah. Deuxième sujet, à Omer Laïcha, il kachili bet marazo, il kachili bezo. Première situation. Deuxième situation, c'est qu'il a dit bezo, bezo, bezo. Troisième situation, et troisième situation, j'explique d'abord alors les trois situations. On explique la logique, après on traduit tout ça dans les mots. D'abord, on marie une femme. Il faut lui donner une prouta, comme on a vu dans la première Mishnah de Kiddushin. Aïcha Nikden, Beshloshet Bachim, Bekesef, avant de me dire Kesad, Bet Hillel, ils ont dit, il faut la marier avec une prouta. Une prouta, c'est une certaine valeur, une khati, c'est au rat de Kesef, combien ça fait le poids du demi, le poids en argent, d'une demi grain d'orge, un demi grain d'orge d'argent. Et regardez le poids que ça fait, j'ai aucune idée combien. Regardez combien ça coûte à la bourse de l'argent, et c'est le minimum pour une femme. Maintenant, on n'est pas obligé de donner les femmes en lui donnant que de l'argent. On peut se donner du chavet prouta, quelque chose qui vaut de l'argent. Moi, j'ai décidé de marier une femme avec des dates. D'accord? Je vais lui donner, allez, 5 dates, 4 dates. Selon la manière dans laquelle je vais m'exprimer pour la marier, et selon la réaction de la femme sur le moment, on va parler de manière générale pour le moment, eh bien, on va s'intéresser à savoir ce que les quatre ensemble forment une prouta, ou est-ce qu'il faut nécessairement une prouta dans une d'entre elles, ou bien même sur la dernière. On a trois situations, et j'explique. Il faut marier une femme avec une prouta. Si j'ai quatre dates et qu'ensemble, elles font une prouta. Donc, en théorie, il faudrait que je lui donne les quatre dates en même temps. Imaginez que je lui donne une première date, elle la prend et elle la mange. Une deuxième date, elle la prend et elle la mange. Chaque fois qu'elle mange une date, alors qu'elle n'est pas encore mariée, la date qu'elle a reçue, c'est pas encore, elle n'est pas encore entrée en possession chez elle. Elle a avalé, elle a disparu, c'est devenu une dette. Or, on a une règle que on ne peut pas donner de l'argent en annulant une dette. Peut-être que je fais une petite pause tout de suite, j'explique d'abord le principe. Pour toutes sortes de domaines, acheter, marier une femme, acheter un esclave, acheter un champ, il faut donner de l'argent. Lorsqu'on donne de l'argent, on acquiert. Imaginez que maintenant, quelqu'un me doit, sans, ou bien même avoir un, payer un employé aussi, c'est la même chose. Bon, on va voir l'employé, on va laisser peut-être un peu. J'imaginais que je vais acheter votre champ et vous me devez de toute façon 100 000 shekels. On avait une dette que je vous donne l'argent. Je dis, bah, tu sais quoi? Donne-moi ton bout de champ, hein, ton champ là-bas, 100 000 shekels, on annule la dette. Ouais? Ouais. On serre la main, on fait un petit tap 5, mazal ou bracha, ce que vous voulez. Ça marche pas. Il faut nécessairement lui donner de l'argent. Ou bien aller faire un acte d'acquisition sur le terrain. Mais simplement annuler une dette n'est pas une donation. N'est pas un don, ça ne s'appelle pas qu'on a donné de l'argent, qu'on a transmis de l'argent. D'accord? Parce que quelqu'un qui a une dette envers moi, c'est pas que j'ai 100 000 shekels chez lui, c'est qu'il a un devoir envers moi, et lui annuler le devoir, c'est pas de l'argent. Je peux vous dire que j'ai des moyens de contourner, de résoudre. Il y a des moyens de me dire, Béhiana, par le profit que j'ai quand je te parle, quand je te fais la dette. Mais concrètement, annuler une dette, c'est pas qu'on a donné de l'argent. D'ailleurs, regardez même, ça peut être, c'est une notion un peu compliquée à comprendre, qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais si vous réfléchissez un petit peu, imaginez que. Quelqu'un, je dois 1000 shekels à mon frère, depuis maintenant 3 ans, j'ai eu du mal à le payer, maintenant je lui demande, c'est quoi, je vais te le payer. Il me dit, oh, tu sais quoi, allez, vas-y, viens, je te le laisse. Est-ce que je ressens la même, j'éprouve la même sensation d'avoir reçu 1000 shekels? Quand je reçois 1000 shekels, j'ai la possibilité de faire plein de choses avec. D'accord, je reçois, je peux, mais quand il m'annule une dette, il m'a juste... supprimer un poids lourd que j'avais sur mon cœur, comment j'allais lui rembourser une dette, mais je ne ressens pas qu'il m'a donné quelque chose. Concrètement, c'est parce que Mekadesh, annuler une dette, c'est pas comme si on l'a transmis l'argent. D'accord? C'était la notion générale qu'on a introduite. Annuler une dette, c'est pas comme on se rend l'argent. Maintenant, imaginez que j'ai dit à la femme que je vais la marier en lui donnant 100 shekels. Maintenant, tous les jours, je lui amène déjà 10 shekels. Je te marie avec les 100 shekels. Et chaque jour, je dis, tiens, prends déjà 10. Prends déjà 10. Prends déjà 10. Alors, si la femme, elle cumule les 10 pièces de 10 shekels, et qu'à la fin, j'arrive à la dernière fois, et qu'elle a les 100 shekels, on dit, ça y est, et il y a deux témoins qui sont là, c'est bon, elle est mariée, parce qu'elle a eu les 100 shekels.
Mais imaginez qu'à chaque fois que je lui donne 110 shekels, elle va et elle s'achète une canette de coca et elle la boit. Il ne reste plus rien de 10 shekels. Donc les 10 shekels que je lui ai donné, c'est devenu une dette. Il s'avère que maintenant, je la marie avec une vieille dette. Et bien, je ne lui ai rien donné. Ou éventuellement, je vais peut-être pouvoir la marier en lui donnant les derniers 10 shekels, parce que peut-être que les derniers 10 shekels. Alors là, on a besoin d'en rentrer dans le cas précis de la Mishnah. On a compris d'abord l'idée générale, j'ai un petit peu tourné autour du pot pour ensuite attaquer maintenant de vif la Mishnah. C'est-à-dire, retenez, si je marie quelqu'un avec une dette, je ne la marie pas. Mais si je lui dis que je vais lui donner et que je la paye, comme on dit au lance-pierre, un petit peu par petit peu, il faut qu'elle récupère toutes les pierres, qu'elle soit là devant elle. Ou au pire, même dans certaines situations que l'on va voir, il faut qu'il y ait au moins eu, dans la dernière, ce qui lui reste en main, c'est qu'elle le marie. Maintenant, imaginez que... Alors maintenant, je reviens maintenant sur mes dates. On a trois situations évoquées dans la Mishnah. D'abord, j'ai les quatre dates devant moi, elle me dit « Allez, marie-moi !» Et on se marie, je lui dis « En tout cas, je te marie avec les dates, ça marche ?» Elle me dit « Ouais, tiens, sois marié par cette date. Sois marié par cette date. Tu es ma femme par cette date. Arat me goudesh et li bet marazo. Arat me goudesh et li bet marazo. » Je l'appelle ça comme ça, quatre fois, chaque fois, je lui donne une date. Regardez là, j'ai pas fait un acte d'acquisition de lui donner les quatre dates pour l'acquérir. Chaque fois, je retentais ma chance. Donc chaque date est estimée comme un acte indépendant. Est-ce qu'il y en a eu au moins dans un, qu'il y avait au moins une prouta dans un? Ouais, imaginez donc, chauffant. Je dis, allez, arrête-moi que j'ai dit de mettre ma raso. Ça ne suffit pas? Bon, non, ça ne suffit. Mais arrête-moi que j'ai dit de mettre ma raso. Alors maintenant, on va s'intéresser à une question essentielle. Est-ce qu'une fois, au moins, je lui ai donné une prouta dans tout ce que j'ai fait? Parce que si j'ai donné au final trois fois, même une demi-prouta, mais j'ai jamais donné une prouta. Et chaque acte était, chaque fois, puisque chaque fois j'ai répété à Dieu que j'ai dit, c'est un acte d'acquisition indépendant. Donc il va falloir qu'il y ait nécessairement au moins une fois une prouta dans une date. C'est le premier cas de la Mishnah, que Itkachili Bazou, marie-toi à Omer Nisha, celui qui dit à une femme, Itkachili Betmarazo, marie-toi avec cette date. Ou encore, Itkachili Bazou, et marie-toi aussi avec cette date. Alors la Mishnah vient et me dit, écoute-moi, puisque chaque fois c'est un acte indépendant, il faut qu'il y ait eu au moins dans un d'entre eux un acte qui a été validé et cautionné. Si au moins il y a dans une de toutes ces dates au moins une prouta, une fois, mais s'il n'y a aucune date qui fait une prouta, même si on a refait ça 10 fois, et qu'au total elle a reçu 9 proutotes, ou 8 proutotes, mais jamais je lui ai donné une seule prouta dans aucun acte d'acquisition, eh bien, elle n'a ne sera pas mariée. Fin du premier cas, c'est parce que j'ai répété à chaque fois, j'ai dit Itkachili, Itkachili, Itkachili. À la différence du prochain cas, où cette fois-ci, j'ai dit Itkachili, bezou, 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 bezou. Par celle-là, par celle-là, par celle-là, par celle-là. Tiens, tu es marié par moi, par cette date, et par celle-là, et par celle-là, et par celle-là, et par celle-là. Et je répète comme ça. Alors là, regardez, la Mishnah va me dire, Imiesh, chevé pour ta bekoula, nu kodeshet. Puisque tu répètes bezou, 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 eh bien, qu'elle est cumule chez elle, et dès qu'elle va atteindre une prouta, eh bien, c'est bon. Je l'ai marié en voulant lui donner une prouta, et je lui ai donné concrètement une prouta, au final. Ça a dû prendre 3, 4, 5, 6 dates. Bon, au total, j'ai atteint. D'accord? Donc, bezou, bezou, bezou. Et bien, chevé pour ta bekoula, si, tout ensemble. Elle forme une prouta au moins, eh bien mes coups d'échelle, ils me lavent, mais sinon, eh bien, elle n'a mes coups d'échelle, elles ne sont pas mariées. Troisième cas de figure maintenant. Aïta au chalad rishonan rishonan, elle aime tellement les dates, c'était des dates, c'était des chocolats, c'était ce que vous voulez. Je lui dis, tiens, marie-toi par ça, et par ça, et par ça. Chaque fois que je lui donne une, elle le prend, elle l'avale. Elle le prend, elle le mange. Donc il s'avère que pour le moment, je n'ai pas fini mon acte d'acquisition. Si jamais, alors. Elle ne sera jamais mariée jusqu'à qu'elle ait reçu au moins une fois qu'elle se soit trouvée avec une prouta dans la main. Parce que sinon, si je lui donnais une demi-prouta, elle la mange, 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 on va appeler ça pendant 100 fois. Au total, je lui donnais 80, je lui donnais 50 proutotes même. Mais elle n'a jamais cumulé une prouta devant elle. Tout ce qu'elle a mangé, c'est une dette ancienne maintenant. Et puis, je ne peux pas marier une femme en lui donnant avec une dette. D'accord? Parce qu'elle ne s'est jamais retrouvée avec une nana de une prouta à chaque fois. C'est clair? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.